forcément, entre la sèche et la prise de masse, il faut faire une période de stabilisation, évidemment. On ne peut pas passer de la sèche à la prise de masse. On n'a pas le même besoin calorique une fois qu'on est en sèche, parce que déjà, on a perdu du poids aussi, donc notre métabolisme, il a forcément un petit peu diminué. Il faut remonter tout doucement les calories pour réhabituer progressivement le corps et rebooster aussi le métabolisme. Et puis, quand on voit qu'on commence à prendre aller plus de 2 kilos par mois, c'est que là, on est allé vraiment trop loin, donc il faut réajuster, rebaisser en fonction